Le Must Tendance avec Jean-Mi Gauthier-Non. Must Tendance. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, plein feu sur Autopsie d'un enfoiré, un ouvrage signé Alban Bourdi, paru chez Cet Écrit Édition. Il s'agit d'un livre qui aborde la crise de la trentaine vue autrement. L'histoire d'un parcours initiatique pour apprivoiser l'existence. Alban Bourdi est écrivain, un statut qui lui donne l'impression d'être à la marge de la vie. Celle-ci lui réserve pourtant bien des surprises et va le remettre en selle de façon spectaculaire et inattendue, parfois bon gré, mal gré. Autopsie d'un enfoiré retrace le parcours initiatique d'un jeune homme hypersensible en pleine crise de la trentaine qui apprend à apprivoiser l'existence. Le tout sous la forme d'un hommage à la chanson française et à la diversité culturelle. Après une trilogie sur les sectes tantriques, Alban Bourdi publie un quatrième roman, moins autobiographique, mais dans lequel il se met toujours en scène. Il y relate l'histoire d'une vie, récit particulièrement centré sur le passage initiatique et déterminant de la trentaine. L'aventure, d'épisode en épisode, dépassera l'imagination et les frontières, croisant des stars, des médecins, des terroristes, des moutons, des sucreries, des journalistes et des femmes épatantes. Un ouvrage truffé de références à la chanson française, en forme d'hymne à l'optimisme, au multiculturalisme et à la solidarité prônée par Jean-Jacques Goldman. Autopsie d'un enfoiré, c'est un ouvrage signé Alban Bourdi, paru chez Cet Écrit Édition.